Allez, salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour cette première vidéo sur HomeSea 2. Je suis très heureux de vous retrouver sur ce jeu et nous sommes avec un magnifique Mercedes-Benz Citaro C2 Euro 6 OM936 Watt Voice. Donc voilà, sur Winsenburg, puisque c'est cette map qui a gagné le vote sur Discord, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous n'y êtes pas, ça vous permettra de pouvoir voter pour la prochaine map que nous ferons une fois que nous aurons fini le let's play sur Winsenburg. Donc on va prendre le véhicule, je sais pas si celui-ci s'ouvre, s'ouvrir des portes, je ne pense pas, bon tant pis, c'est pas grave. Donc voilà, on va initialiser le courant et allumer le moteur. D'accord, il a calé. Voilà, là il a démarré. Donc aujourd'hui on fait la ligne 140 à destination de Altermarkt et au départ de Burgdorf. La Burgdorf. Burgdorf, voilà, Burgdorf. Si Burgdorf c'est sur Gründorf, rien à voir. Donc ici nous sommes à Burgdorf. Donc voilà, on va démarrer. On démarre, on part à je sais plus quelle heure. C'est pratique ça. Et le shift Y ne marche pas. Nickel. Ah, ça va être pratique. Bon, normalement, j'ai déjà initialisé tout le bazar ici. Juste attendre qu'il arrête de charger. Que ça en prend du temps ce bazar aussi, ça prend un temps de taré pour s'initialiser ces ibis, c'est un truc de fou, pire qu'un ordinateur. Donc start, oh putain, on va demander de passer la carte en plus. Est-ce que j'ai déjà fait une première tentative, mais ça a été très vite avorté par un dérangement, du coup j'ai préféré tout recommencer. D'ailleurs la vidéo a déjà été tournée une fois et je viens de me rendre compte que j'ai mal tapé, voilà. Mais suite à un souci de rendu, j'ai préféré la recommencer. Donc voilà. En même temps j'en ai profité pour modifier la liste. Mais du coup j'ai mis les festifs, mais du coup le problème c'est que la livrée n'est pas la bonne sur certains festifs, du coup je vais pouvoir tous les mettre avec la même livrée. Donc voilà, donc pour ça l'ibis est bien mis, nous sommes bien 140 Altermarkt. Alors cher ibis, on parle d'en combien dans 40 minutes, donc on va avancer un petit peu le temps. Donc on va rajouter, on était à 14, donc plus 39, ça fait 53, si je dis pas de conneries. Ouais, ça fait bien 53, donc voilà. Donc on va aller se mettre à quai. Après avoir passé la vitesse, ce sera mieux. Donc je joue à la souris, à défaut d'avoir un volant. 140 Altermarkt. Et c'était l'autre côté. Ah là là. Première vidéo sur HomeSea, je suis déjà défait. Là oui, il y a un gros trou ici que je vais aller régler dans l'éditeur. Je sais pas trop pourquoi il y a ce trou, mais c'est un tout petit peu chiant du coup, parce que je suis obligé de faire un détour de la mort pour faire demi-tour. Hop. Le 140 pour Burgdorf ici. Voilà, j'arrive les passagers. Voilà. Pile à l'heure. Also ich bin heute den ganzen Tag unterwegs und deswegen brauche ich so ein Ticket, was für den ganzen Tag reicht. Sie wissen schon, eine Tageskarte heißt das dann? Sauf que je sais pas du tout quel ticket elle veut.
étant donné que je n'ai pas les écritures rouges. Donc ça va être la déduction. Entschuldigung. Je suis là. Kostrecke. Hallo, ich möchte gerne Fahrkarte haben. Oui. Hallo, Entschuldigung. Ah. Entschuldigung. Ah ouais, ouais. Donc 8,60 et elle m'avait donné 20. Donc déjà 8, 10, 11 et 40. Et voilà, tout juste pour le départ. Et on est parti pour cette 1140 avec ce Mercedes-Benz Citaro C2. Normalement, je fais en sorte qu'on ne voit pas le pointeur de souris parce que je sais que ça peut être dérangeant de le voir en permanence gigoter sur l'écran. Normalement, on ne le verrait pas. Et puis, j'ai mis en capture fenêtre, comme ça, vous ne voyez pas tout ce qui est autour. Donc voilà. Donc, on est parti donc sur Opsi 2, hein, pour ce let's play. Qui va durer un bon bout de temps sur Witzenburg. Qui donc a remporté le vote sur Discord. Donc voilà. Le lien du Discord évidemment dans la description, le lien de la map également. Par contre, il n'y aura pas de lien pour le bus puisque le bus vient d'un DLC, du DLC Berlin-BRT. Bien que je mettrai le lien du mode de morphie que j'utilise sur ce bus. Quelle patate! Franchement, il en envoie. Hein. Sur le CDS Citaro C2, il en envoie. Et il freine bien aussi. Donc ça c'est très agréable. On va déjà mettre notre clignotant pour indiquer qu'on s'arrête à l'arrêt. Évidemment le feu rouge, j'allais dire qu'il dure une plombe et il passe au vert juste à ce moment-là. Tranquille. Tranquille, tranquille. Bonjour messieurs, dames. Ok, capacité qui passe user à un autre. Hop, let's go. Porsche Straße. Il me semble qu'ici c'est à gauche. Si c'est à gauche, parce que vu que j'ai déjà fait la ligne une fois. Oh, oh, je me suis pris comme une cloche par contre ici. Je disais, comme j'ai déjà fait la ligne une fois aujourd'hui, je l'ai encore un peu le tracé en tête. Alors, par contre, vous freinez délicatement à la souris, vous oubliez. Alors. Donc, je vais ouvrir, je vais presser une descente, je referme. Et c'est parti. À cause d'un souci de rendu sur les trois vidéos que j'avais tournées. Im großen Ring. Du coup, la vidéo surprise, elle arrivera bien plus tard, puisqu'il faut que je retrouve le temps de la tourner. Mais du coup, je vais vous tourner les trois premiers épisodes sur Winsenburg. Donc, ici, der fährt, der ist ja unglaublich. Der hat seinen Führerschein gewonnen, oder was? Hop, l'autre qui râle ici, on sait pas trop pourquoi. Enfin soit. Le deuxième sera la 141 et le troisième la 126. Parce que je ne fais pas la ligne dans l'ordre de numéro, mais dans l'ordre dans lequel elles apparaissent en, lorsqu'on décide de prendre un service. Alors ici, je pense que c'est tout droit. Ouais. In den Birken. J'ai décidé de le faire comme ça, donc la vidéo. Surprise arrivera un peu plus tard du coup. Ils sont donc dans une vidéo avec un rendu propre et clair. Là le rendu était pas terrible. En fait il n'y avait qu'une partie de mon écran qui avait été capturée. Donc vous voyez
que la moitié de ce que je faisais. Ce qui n'était pas terrible, terrible. Donc voilà, je vais essayer de tout reprendre à zéro et de proposer un contenu propre, puisque c'est quand même la première vidéo qui va lancer le jeu sur la chaîne. Voilà, qu'elle soit propre et. Hettstedt Logistik Zentrum. Et quoi de mieux pour lancer un esprit sur le site que de prendre Luxembourg. C'est une des maps les plus sympas de l'océan. Il me semble qu'ici on tourne à droite. Allez, ouais. Parce que lui veut monter, donc c'est que je suis sur le bon trajet. Pour l'instant, je la fais de tête à l'île. Hein. Je suis plutôt content. Hettstedt, Gewerbekarte. Der fährt ja, das ist ja unglaublich. Der hat da seinen Führerschein gewonnen, oder was? Le tirage, on est à 40 km/h. Il faut quand même pas que je m'arrête, quoi. Il manquerait plus que ça. Capter lui. S'il appuie sur F1, ça va pas le faire. Et voilà, c'est reparti. Oberschlupfmühlen. Le récit, c'est à droite, toute logique. Parce que si on retourne à droite, on retourne à Bergdorf. On va mettre un petit kick down histoire de voir un peu ce qu'il a dans le ventre. C'est pas ridicule. Ah oui, il envoie quand même. Il envoie. Personne. On continue. Alstedter Straße. Alors ici on freine un peu quand même parce qu'il y a un virage. What a good. Il y a déjà 35 qui rade lui. On n'a toujours pas le droit à la remarque de Schumacher que j'avais eu à l'arrêt. Alors que j'étais à 35. Donc bon. Je pense que Schumacher il peut faire x10. Tout en douceur. En tout cas, c'est une très belle map à Wittenberg, franchement. Énormément de plaisir à rouler dessus. Et que ce soit deux, le plaisir est encore plus grand. Donc ici à gauche. C'est vrai que ce serait assez fort ici quand même. C'est fluide, ça qui est agréable. Comparé à certaines maps aussi où on passe notre temps à friser, ici c'est vraiment une fluidité.
au revoir, merci. Hop là. Ravitiala avant que l'autre nous dirige notre priorité. Et hop, bah oui. Il nous a refait le flanc, ce con. Mandelshofer Weg. Et pourtant, j'avais mon clignoteur, donc j'étais prioritaire. Alors ici. C'est tout droit. Ah. Il faut y refaire la gauche ici. Il est encore loin, mais. Je ne l'avais pas tout à fait vu. Vogelsaue. Pas trop accéléré parce que lui peut nous freiner à la gueule à tout moment. Connaissant les Iadom aussi. Qu'est-ce qu'ils nous font là devant? On y va, c'est parce que c'est le mioche devant qui est à moitié sur la route qu'il faut. Allez quoi. Hop. Utiliser le self. Et on est pile à l'heure au plus. C'est pas magnifique ça. Première vidéo MC2. Parfaitement à l'heure. Que demande le peuple. Alter Markt, diese Fahrt endet dort. Hop. Voilà. Hop, self-service. Tu vas m'enlever le service par contre. Voilà. Et on va se mettre en Stawin, ce serait pas mal. Et voilà. Donc voilà, on est arrivé au bout de cette ligne 141. Sans accroche et à l'heure. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette première vidéo aussi, s'il y a des choses à améliorer. Car rien n'est parfait. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, si elle vous a plu, à la liker, à la partager si vous avez envie, mais vous n'êtes pas obligé du tout. Je vais pas vous faire tout le tintouin de toute manière. Donc voilà, en tout cas merci de l'avoir regardé si vous êtes arrivé jusqu'au bout, et à la prochaine pour la 142. Allez, bye. D'ailleurs c'est la 141, mais bye.